Apocalypse chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 11. Les 24. Asseyez-vous. Ce matin, ta façon de te comporter va déterminer ce que tu seras pendant les 9 mois. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Et que la façon dont tu honores Dieu ce matin, que Dieu te rencontre. Laisse quelqu'un répondre, ta voix n'est pas appropriée. J'ai dit la façon dont tu adores Dieu ce matin, que le ciel en retour te récompense. Ta voix, ta façon de répondre ne convient pas au ciel. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire asseoir le Seigneur dans son siège. Apocalypse chapitre 4, nous lisons la parole de Dieu. Quand on lit la parole, tu dois être le premier à te lever. Asseyez-vous. Si tu te lèves le dernier, qu'il te soit fait selon ton dernier. Tu ne peux pas être dernier à l'église, c'est une abomination. Maranatha. Si tu es dernier, tu le sais. Apocalypse chapitre 4. Ce matin, dis à celui qui est à côté de soi, sois dans l'esprit. Dis-le, n'aie pas peur, tape dans son dos, dis sois dans l'esprit. J'ai dit de taper dans son dos, peureux. Tape dans son dos, dis ne sois pas timide, sois dans l'esprit. Touche celui qui est derrière toi, dis-toi aussi. Ne sois pas charnel. Dis sois spirituel. Ne danse pas comme tu danses d'habitude. Ce matin, danse comme un fils de Dieu éclairé. Apocalypse chapitre 4, nous lisons. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Ils font quoi? Ils ont jeté quoi? Leur couronne devant le trône en disant. Ils ont déposé? Non. Ils ont déposé? Non. Ils ont enlevé sur la tête, ils se sont déchargés non. Là. Ils ont fait quoi? Jeter. Ils ont fait quoi? Jeter. C'est quel verbe? Jeter. Le verbe? Jeter. Donc ils ont? Jeté. Jeter veut dire se débarrasser. Asseyez-vous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Levez la tête, s'il vous plaît. Jean a été transporté dans le ciel. L'ange qui lui parlait lui a dit : voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui a tout fait, qui a tout accompli, ici, c'est par le sang que tout se règle. J'ai dit de lever la tête, madame. Et Jean était bien positionné. Et comme Jean était positionné et qu'il suivait attentivement ce que le Seigneur était en train de révéler à Jean, Et l'Esprit lui dit, écris toutes ces choses. Et Jean regardait et il a vu 24 vieillards. Pas 24 jeunes. 24 vieillards. Qui sont ces 24 vieillards? Et comment ils ont la force et la capacité de se prosterner, de jeter leur couronne et d'adorer celui qui est assis. Si ta voix n'est pas autorisée, tais-toi. Je vais parler en quelques minutes. Les 24 vieillards, frères et sœurs, aujourd'hui c'est la journée locale du département de l'adoration et de la louange. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu ne siège pas dans l'intercession, dans les offrandes. Il ne siège pas dans les cérémonies stériles et vaines. Mais l'Éternel, notre Dieu, il siège dans la louange et l'adoration. Et la Bible dit, j'en dis, je vis 24 vieillards.
écrit les 24 vieillards. 24 vieillards, c'est synonyme des hommes et des femmes qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, qui ont surmonté les épreuves, qui ont surmonté les attaques, qui ont accepté de perdre leur vie, d'accepter de renoncer à leur honneur, à leur dignité, à leur raison. Vous savez, un impie, son adoration est une malédiction. Écoutez-moi. Quand quelqu'un n'a pas le cœur droit, quelqu'un n'a pas été justifié par le sang de l'agneau, un homme qui demeure délibérément et volontairement dans le péché, sa louange est une malédiction pour sa maison. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui loue l'Éternel. C'est pourquoi dans le psaume 150, il a dit tout ce qui respire. Le psaume 150 dit, c'est ce qui respire. Oh, ce qui respire est vivant. Ce qui respire est sain. Ce qui respire est élevé. Ce qui respire est purifié. Alléluia! Ce sont les vivants. Pas des morts. Pas des cadavres. Quelqu'un qui n'est pas purifié, il doit garder, il doit avaler sa louange. Sa louange même est de la traîtrise. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous célébrer, n'acceptez jamais la louange. Et tout ce qui est congrat, tu l'échanges d'un impie. Le psaume 33, versets 1 à 3, regarde. C'est pas tout le monde qui célèbre l'Éternel. C'est pourquoi, voyez, quand quelqu'un veut adorer Dieu, quelqu'un veut louer Dieu, veut faire asseoir Dieu dans son trône, il faut qu'il comprenne que ce sont les cœurs purs, les mains purifiées, la bouche purifiée, le cœur libéré de toute haine, de toute méchanceté, de tout égoïsme, de toute vantardise. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne t'aime plus. On a bien commencé, mais à cause de ce que depuis le jour où tu as eu du travail, depuis le jour où tu t'es marié, depuis le jour où tu as eu ça, alors tu ne me considères plus. Alors notre amitié s'est arrêtée. Tu es né pour te perdre. La haine que tu as dans ton cœur contre ton patron, contre ta soeur, contre ton frère, si tu ne t'en détournes pas, le Seigneur m'a parlé. Ça va tomber sur toi et tes enfants et ta famille. Tout ce que tu es en train de mijoter contre ta sœur tombera sur toi. Sinon, je n'ai pas parlé. Tout ce que tu es en train de faire, ça va tomber pas sur un homme, mais sur toi et ta maison. Si ça t'a raté, ça ne ratera pas tes enfants. Tu ferais mieux de te dépouiller de la haine, de l'hypocrisie, du mensonge. Dépouille-toi. Les 24, lis le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange est aux hommes droits. La louange est à qui? Aux hommes droits. Aux chrétiens? Non. Aux hommes droits. Aux évangéliques? Non. Aux hommes droits. Aux protestants? Non. Aux hommes droits. À celui qui parle en langue? Non. Aux hommes droits. Ceux qu'on a nommés chantres à l'église? Non. Aux hommes droits. Quand tu es tordu, ta louange est une malédiction. Amen. Ferme ta bouche. Quand tu as de la rancœur, l'animosité, Dieu t'a pardonné, mais tu n'es pas prêt à pardonner. Dieu t'a purifié et tu n'es pas prêt à accorder le pardon à ton frère, à ton mari, à ta soeur. Ferme ta bouche. Ta louange est une abomination. La louange convient aux hommes droits. Amen. Ne réponds pas, laisse quelqu'un répondre. J'ai dit la louange convient aux hommes droits. Amen. Les hommes droits, répondez que votre voix domine. Vous qui êtes là, j'espère que vous êtes des hommes droits.
Il faut que votre voix domine la voix des impies autour de vous. Amen. La louange convient aux hommes droits. Il est droit dans tous les aspects de sa vie. Pas par sa capacité, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi si quelqu'un vient ici, il peut chanter les bons cantiques, il peut chanter les chants, on peut chanter tous ensemble, on peut danser. Mais c'est de la vanité. Dieu peut ne pas agréer si nous ne sommes pas droits et nous ne sommes pas purs. Ta louange est une abomination et un malheur. Termine. Mm-hmm. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Merci. Les 24 vieillards, c'est l'image des hommes purs, des hommes matures, des hommes qui ont traversé des hauts et des bas. Ce sont les 12 tribus, les 12 patriarches et les 12 apôtres. Certains étaient décapités, certains étaient persécutés, certains étaient éventrés. Mais au ciel, ils ne pensent pas à tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont mis derrière eux les épreuves, les difficultés. Parce que pour adorer Dieu, oublie tout ce qui s'est passé. Oublie tes souffrances, oublie tes épreuves, oublie tes humiliations. Oublie là où tu as été rejeté, incompris, abandonné, insulté. Quand on vient pour adorer Dieu, on oublie tout son passé, toutes les épreuves, là où tu as été incompris, rejeté. Aujourd'hui, souvent, vous allez voir des choses. Non, mais j'ai trop d'ennuis, trop de problèmes. C'est normal, si tu n'es pas approprié, tu ne dois pas louer le Seigneur. Les 24 veillards, c'est l'image des hommes qui sont matures. C'est pourquoi, vous voyez, ceux qu'on motive de chanter, vous voyez, quand quelqu'un n'est pas rassasié, son mari lui a tourné dos, sa femme lui a tourné dos, il a un problème financier, il a un problème de santé, c'est un petit dans son, il a un petit esprit. Quand il est dans la présence de Dieu, on doit le motiver pour chanter. On dit poussons des cris de joie. Il ne va pas le faire. Un incirconcis parmi les saints. Et cela, il faut crier pour qu'il chante. Même quand il doit taper les mains, il tape les mains en choco. Il tape les mains comme un homme important. En vérité, tu es important pour ta famille, pas pour le Seigneur. Tu n'es que vermisseau devant Jésus. Moi, je ne suis que la serpillière de Jésus-Christ. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas capable de toucher son lacet. Son lacet est plus important que toi. Et quand tu as l'occasion de servir le Seigneur, c'est un honneur pour ta famille. Ce n'est pas un fardeau. Les 24 vieillards, ce sont des hommes matures. La Bible dit deuxièmement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Ils sont vieux, mais ils se prosternent. Mais se prosterner est synonyme d'humilité, de renoncement, d'abandonner son honneur propre. Je ne peux pas me prosterner. J'ai dit le premier point, c'était les 24 veillards. Deuxième point, se prosterner. Tu me regardes, j'espère que tu comprends ce qu'on dit. Donc, ils se prosternent. Ils se couchent. Ventre contre terre. Est-ce que toi, tu es capable de te prosterner devant celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu es capable? Mais à cause de tes soucis, tu n'es pas capable. Même quand tu te prosternes spirituellement, Dieu te voit debout. Que le ciel nous aide ce matin. Amen. Tu te prosternes. Ils se sont prosternés les 24. Quand ils se sont prosternés, et se prosterner est synonyme de petitesse. Quand quelqu'un se couche devant un autre mortel, c'est une manière de dire, je ne suis rien devant toi. Regarde, quand on vient adorer Dieu, on vient avec un sentiment d'humilité dans son cœur. C'est pourquoi, vous voyez, les agents dans l'église qui sont les plus attaqués, ceux qui ont le plus de problèmes parmi les ouvriers du Seigneur, ce sont les chants très souvent.
imbibe. Quelqu'un qui était simple, humble, dès l'instant ou dès le jour, on l'a appelé chante. On l'a mis ici, qu'elle chante. One, two, one, two, one, two. Oui, augmentez le son de mon micro. Que le ciel soit ton juge. Orgueilleuse. Au point où certaines se font passer pour des gens indispensables. Quelle abomination et quelle bassesse. En tout cas, moi, si je ne chante pas, je ne sais pas si le groupe là va aller de l'avant. Que le ciel te juge. Écoutez, regardez-moi dans les yeux. Aucun homme n'est indispensable dans l'église. Je n'ai pas entendu parce que c'est toi qui te crois indispensable. Aucun homme, ni moi, ni ma femme, ni ici, ni sa femme, aucun pasteur. Faites de votre vie ce que vous voulez. Dieu va susciter quelqu'un plus puissant, plus intelligent, plus sage. Tu n'es pas indispensable. Mon travail me prend le temps. Troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils adorent. Quand, troisième chose, ils adorent. Ils ne se prosternent pas pour demander. Quand tu te prosternes, c'est pour faire quoi? Oh Seigneur, souviens-toi de ma maison. Souviens-toi, donne-moi un enfant, donne-moi la guérison. Seigneur, souviens-toi de mon visa. Oh Seigneur, aie pitié de moi. C'est pourquoi je suis couché devant ta femme, commerçant. Dis commerçant. Dis à ton voisin, c'est de toi il parle. Tu es un hypocrite. Quand tu te prosternes, c'est pour demander. Et les vieillards, quand ils se sont couchés, c'est pour adorer. On ne peut pas adorer si on n'a pas renoncé à sa vie. Regarde, tu ne peux pas adorer si tu n'as pas renoncé à ton honneur, à ta dignité, à ta raison, à ta réputation. Laisse tomber, c'est des choses stériles. Je ne serai pas à ton mariage. Que le ciel te rende ça d'une manière ou d'une autre. Tu es méchant. J'ai appris qu'il y a une cérémonie chez toi, mais je ne serai pas avec vous. En le disant, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il parle. Mais le ciel qui est juste te rendra ça. Sur cette terre, tu es égoïste, tu es méchant de cœur. Les 24 vieillards, ils se sont prosternés et ils ont adoré, ils ont donné la louange. C'est un des cœurs libérés. Pour adorer Dieu, il faut que ton cœur soit libéré. Pas de rancœur, pas d'animosité, pas d'esprit de vengeance. Tu viens le cœur libre pour dire, sois élevé. Soit adoré, soit glorifié. Amen. Quatrième chose pour terminer. La Bible dit, il jeta. Makata kabosu kete bosh. La couronne, relève la tête. C'est Dieu qui leur a donné leur couronne. C'est des gens qui ont souffert ici-bas, qui ont combattu. Écoute-moi très bien. Ils ont combattu le bon combat. Ils ont achevé la course. Et Dieu, en retour, leur a donné la couronne. C'est pas fini. Écoute bien tes oreilles. Dieu leur a donné la couronne. Ce n'est pas une couronne humaine. C'est dans le ciel qu'il les a couronnés comme des rois. C'est des gens qui ont achevé la course. Il leur donne des couronnes de vie et de justice. Ils sont assis tous sur des trônes. Mais quand il s'est agi d'adorer Dieu, ce que Dieu leur a donné, ils ont jeté. Dieu t'a donné du travail. Il t'a donné un mari. Il t'a donné une santé. Qu'est-ce que Dieu tu ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu as que le ciel ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi est-ce que, à cause de ce que Dieu t'a donné, tu n'as plus le temps d'adorer le Seigneur? Aujourd'hui, tu es docteur, donc tu n'as plus le temps.
Tu sais d'où tu viens. Comment tu vendais café comme un petit boy. Le ciel te jugera. Toi, tu peux ouvrir ta bouche pour dire, moi, Anzi, grand docteur, j'enseigne à l'université. Les cultes du soir, je n'ai pas le temps. Le ciel te retranche, c'est mieux. Voilà des comédiens, des diacres, des anciens, des pasteurs, des chantres. Des gens qu'on a vu que Dieu a enlevé de la boue, de la poussière. Et il les a fait asseoir. Quelle abomination! Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Dieu, si tu es juste, sois leur juge. Sois leur juge. Si tu es encore juste et tu n'es pas tombé sur ta tête, sois leur juge. Ils n'ont plus le temps de donner. Ils n'ont plus le temps de servir. Ils n'ont plus le temps de servir le Seigneur. À confier leur des cellules. Ils vont tuer la cellule. Confiez-les un département. Ils viendront vous dire, je suis plus capable. C'est-à-dire, tu te demandes comment Dieu a maintenu cet homme en vie. Je regrette. Et le ciel regrette. Il y a des gens pour qui le ciel regrette de les avoir maintenus en vie. Pendant la crise, tu étais malade. Tu as eu des soucis. Il y a eu des problèmes financiers. Des problèmes de... Dieu t'a tiré d'affaires. Mais l'ingratitude qui doit te perdre t'amène à comprendre qu'en vérité, toi, ce que Dieu t'a donné là, ne te permet plus d'adorer Dieu. Vous voyez, pasteur, comprenez-moi, mon travail, tu vois, mon travail, il y a président zonal, vous les voyez, un mardi sur quatre, des diacres, des anciens qu'on a nommés, les réunions du soir, comme on a dit ça, mardi, ils seront là. Après ça, ils ne viendront plus. Quand tu vas les pincer, ils vont dire, il faut dire que c'est les vagabonds. Il y a un qui a eu le culot de dire ça à un pasteur. C'est parce que vous, les pasteurs, vous ne travaillez pas. Surtout le révérend et toi. Après, pasteur, là, c'est quoi vous faites? C'est nous qui travaillons, qui amenons la dîme. Que Dieu soit juge en toi et nous. Que le ciel à qui tu as parlé soit juge. Tu n'es pas prêt à t'abaisser. Je vois des gens qui courent, même quand ils finissent leur travail. Ils viennent les mardis ici pour chanter. Mais certaines ici que je vois, ici, lève ta tête! Aujourd'hui, votre sang ne tombera plus jamais sur mes mains. Votre sang ne tombera pas sur mes mains. Vous voulez paraître. Quand il s'agit de jouer, les dimanches, vous êtes premiers. Mais les soirs où personne ne regarde, vous voulez être vu des hommes. Certains d'entre vous. Ça fait des mois que je n'ai pas vu certains. Tu étais où? Colombe? Même quand on est malade, on adore Dieu. Parce que le celui qui est capable de te guérir, c'est celui-là que tu adores. Arrêtez le mensonge et l'hypocrisie. Dieu t'a donné ce que tu as. Les 24 vieillards, ils jettent ce que Dieu leur a donné. Pour dire, Dieu, quand il s'agit de t'adorer, je préfère me débarrasser. Ils ne déposent pas, ils jettent. Que Dieu soit juge entre nous. Ce matin, voici le message de Dieu. Dans quel état tu adores Dieu? Dans quel esprit tu adores Dieu? Tu viens avec la haine, la méchanceté, la rancœur, la vengeance dans ton cœur contre ton frère et ta sœur, mais tu viens adorer Dieu. Tu sais ce qui t'attend? Baissons la tête.